Waouh, je suis avec l'ami Blackoon. On va aller dégommer un bon, bon Subway préparé par le chef Subway. Ça fait longtemps que j'attends, il est 16h. Ouais. Moi j'ai pas mangé depuis 8h. J'ai pas mangé de la journée encore. Tu t'es réveillé à quelle heure aussi? Non, je me suis réveillé tôt à 9h30. Ah ouais? Ouais, j'ai plein de papiers à faire en ce moment. Du coup, c'est un peu tu vois la vie à 200 km/h. Putain, waouh. Mais sachant, non mais le plus important c'est que j'ai jamais mangé au Subway de ma vie. Ah ouais? Ouais. Et en plus, là c'est un truc original parce que c'est un sandwich au thon. C'est ça. C'est un sandwich au thon, on n'a pas l'habitude. Exclusif. Ouais, on va voir, c'est préparé par le chef, tout ça. Il m'a juste dit un truc, ouais. Ne me filme pas. Ouais. Tu pourras filmer mes mains. D'accord, ok. Du coup voilà. C'est son droit, il veut pas qu'on le voie. Ouais, exactement. Ouais, moi je m'en fous qu'on me voit. Jamais de ma vie j'ai mangé au Subway. Donc en plus il m'a dit du coup il y a un sandwich au thon spécial. Vu que moi je suis musulman, je mange pas de viande. Donc un sandwich au thon, je veux savoir ce qu'il en est. Donc comme ça on va... J'ai de grandes attentes et espérances sur ce sandwich. Il me l'a vendu comme il faut, hein. Ah bah je lui ai dit, c'est le sandwich secret du chef, hein. Pour moi c'est pareil, je vais souvent au Subway. Mais au thon justement, bah, c'est quand je t'avais posé la question, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent au thon? Parce que j'ai jamais goûté le sandwich au thon au Subway. Petite d'information. Ici c'est le deuxième sandwich dans la journée. Le plus? Ah ouais? C'est super. Donc moi je te laisse choisir. Tu m'as dit parmesan rigant, je vais prendre ce pain. Très honnêtement. Et je t'ai dit moi que j'attendais beaucoup de ce sandwich au thon. Tu as fait confiance? Pas mal. Non, j'ai beaucoup de temps d'expérience, c'est bon, t'es solide. T'es lumé un petit coup en plus. Là, il rajoute là. Ouais, il y a intérêt de bon. Par contre, l'intérêt d'être bon maintenant. C'est parti les gars. C'est la même chose pour les deux? La même. Oui. Je laisse libre à ton imagination. Tu nous fais le sandwich de tes rêves. C'est lequel que tu m'as conseillé? Moi, le parmesan, tu m'as conseillé? Moi, c'était le parmesan. Parmesan, il est. Parmesan, rigolo, moi, c'est une valeur sûre. Du coup, autant tenter le pain, ouais. Comme ça, au moins. Ouais, le pain, comme ça, on partira sur deux choses différentes. Et après, tu coupes en deux, comme ça, on goûtera chacun une moitié. Ça, c'est avec des céréales. Du complet céréales. D'accord. Du pain complet céréales. C'est beau à voir. Hein. Franchement. Bon les gars, c'est le moment. Il nous a fait un Twitch les potes, mais on est vraiment privilégiés quoi. Hop, je vais attendre l'ami Blackoon pour dégommer ça. Juste. Putain, j'ai oublié mon. Voilà les potes, on se retrouve ici. Je vais juste faire une photo du coup pour la miniature. Parce que oh là là, le sens du secret de ce bouet. Le fameux, hein. Et il a bien fait, hein. Il nous l'a bien vendu quand même. Il l'a bien vendu, hein. Ah, punaise. Aïe, 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 aïe. Ça, mon ami. Ça, c'est du beau quand même. Franchement, pour un sandwich, ça donne bien envie, hein. Bah, ce bouet là-bas, c'est déjà super bon. Non, moi, j'ai jamais mangé, donc faut pas te dire. C'est super bon, mais j'ai jamais goûté au thon. Du coup, tu t'en parles lequel, toi? Par celui-là ou par celui-là? Bah, vu que c'est ce qui va être meilleur, je vais garder pour la fin et je vais commencer par celui-là. Vas-y, je vais commencer par celui-là aussi. Ah. Bon, vas-y, santé. Bon appétit, mon pote. À premier abord, bah ça fait quand même bizarre de manger un Subway au thon, j'ai jamais mangé de Subway au thon, mais c'est pas déplaisant. Ouais. Je pensais que c'était la manger plein de sandwich au thon, il a du goût. Ouais. Il a du goût. Donc ce moment, quand tu croques, ça pète dans la bouche. Oh putain, je vais manger genre un piment là mon gars. Et t'as vu, et en fait ça pète dans la bouche, et t'as les goûts qui se dévoilent petit à petit pendant que tu croques, je kiffe. C'est vrai, c'est pas dégueu. Hein. C'est vrai qu'il m'avait... J'ai jamais mangé au Subway. C'est une heureuse découverte qu'ils sont en train de faire là. Bah en vrai, genre moi tu sais, je suis pas fan du thon tout ça, c'est pour ça que j'ai voulu y aller. Et toi tu m'avais dit que tu mangeais que du thon. Mmh. Du coup je me suis dit c'est l'idéal, je vais aller avec Blackoon et
en tête à tête, c'est pas beau en plus. Grave. Franchement, pas mal. Et le pain est bon, hein. Putain, je vais manger sur deux piments en même temps, là. Ça t'appête? Ouais, ça arrache la gueule, hein. T'as pas trop piment? Pas du tout, dès que je mange un piment, je... Ça fait chaleur. Qu'est-ce qu'alors? Bon, fallait le dire, en fait. Après, j'aime bien tester, tu vois. Ouais. Ça gâche pas le goût, mais c'est juste... peut-être mon corps qui réagit chelou, tu vois. Mais il est bon, quand même. Franchement, je kiffe. Après, il y a Sergent qui, lui, il est censé être meilleur, hein, donc c'est le fameux pain origan parmesan. C'est lui, origan? Ouais. Je sais pas, lui, déjà. Pain complet? Ouais, pain complet céréales. Pain complet céréales, celui-ci. C'est quoi? Il tombe pas, hein. Y a rien qui déborde. J'avoue. Ça, c'est rare, hein. Ça, c'est pas mal. Quand tu boules dans un sandwich, il y a rien qui dégueule. C'est parti. Bah, moi, je voulais garder la fin, en fait, pour recroquer dedans après celui-là. Ah, bonne strat. Ah, on va là-bas pour la musique, là, parce que juste ici, il y a une enceinte, et du coup, on va essayer de s'écarter pour le bien de la vidéo. Bon, qu'est-ce que ça dit, celui-là? Donc ça, c'est l'autre. Ça, c'est parmesan origan. Parmesan origan. Et cette fois-ci, c'est... C'est avec oignon et poivre. Et c'est concombre. Ça. Et il a pas mis le cheddar. Il a pas mis les mentales, il a mis que du cheddar dans celui-ci. Dans le parmesan, c'est deux fois les mentales. Dans la poignée, c'est et mentales et cheddar. D'accord, ok. Oh là. Prends le micro. Ça, c'est un bon sandwich au thon, ça. Le concombre, il apporte la fraîcheur. Le concombre. Mmh. Ah, le concombre, il met bien. Hein. Oh, vraiment bien. Moi, là, le concombre, j'aime pas, je mange qu'en sandwich. Ah ouais, en sandwich, je trouve que ça passe, mais dans les autres cas, j'aime pas. Ouais. Ça rafraîchit bien, et du coup... Oh. Ah oui, je préfère... Rien qu'en une bouchée, je préfère déjà celui-là. Mmh. Oh. Je sais pas si t'es d'accord, mais... Il y a un petit peu celui-là. Ouais. En fait, tu vois, dans l'ensemble, il est meilleur. Ouais. Celui-là, en fait, il y a... Mais j'aime bien les poivrons qu'il y a dans celui-ci. Ah ouais? Ouais. Donc, peut-être quoi inverser? Peut-être mixer quelques éléments des deux. Pour trouver la recette parfaite. Le thon, on sent bien. Mmh. C'est du bon thon. Ah, vous avez pris un thon, du coup, aussi? Ouais, j'ai fait thon. Bon, bah, on a déjà convaincu une personne avec notre sandwich au thon. Il y a un monsieur qui est venu derrière lui, il a vu le sandwich se faire, il a dit ouais, je veux le même. En temps normal, quand tu vois, il a mis tout son amour dedans quand même. Ah, j'ai recroqué celui-là. Moi aussi. Mmh. Je vois ce que tu veux dire avec le poivre. C'est vrai qu'on le sent bien quand même. Mmh. On doit se manger deux. Celui-là, il est plus chaud comme sandwich, ouais. Et celui-là, il est plus froid. Celui-là, il est plus frais. Genre, ouais. Tu croques, t'as beaucoup de fraîcheur. Lui, il est plus gourmand. Dernière bouchée. Franchement, agréablement surpris. C'est vrai que moi, en tant que gros mangeur de viande, de bœuf, tout ça, ça manque un peu, mais ça change. Ça, c'est un sandwich que je reprendrai peut-être en été, quand il fait chaud. L'avantage aussi du thon par rapport à la viande, c'est que le thon, t'as pas une durée en fait, où il faut le manger vite. Parce que tu vois, un burger ou un truc à la viande, si tu ne manges pas genre dans la demi-heure, ça se ramollit, ça s'affaisse. Ouais, genre limite ça, tu peux acheter un 30 le midi, mm-hmm. Et tu gardes la moitié pour le fin d'après ou quoi, et c'est encore bon, quoi. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai bien kiffé, hein. Bonne surprise, il me l'avait bien vendu. Je m'attendais pas vraiment à ce style-là, parce que c'est vrai qu'il est quand même bien accompagné de tout ce qui est épices, etc. Mais ça fait un bon ensemble, mmh. Franchement. Une première fois au Subway. En plus, ouais, toi qui n'as pas trop l'habitude des fast-food et tout, du coup, ça te dira peut-être de revenir, quoi. En vrai, ouais. En plus, c'est en face du travail. En plus. En plus. Et en plus, le mec est sympa. Grave. Ouais. Ouais, parce que les gars, hein, le serveur de Subway à Alésia, donc on est rue d'Alésia là dans Paris dans le 14e, c'est une petite perle, hein. Le gars il est vraiment, vraiment 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 cool. Mmh. La dernière fois je prenais un Subway, je lui ai dit je lui ai juste dit gros t'as pas un sandwich à me conseiller? Il m'a dit thon. Je lui ai dit ah non ça me branche pas trop, mais pourquoi pas le faire en vidéo? Sauf que lui il s'est demandé quoi, il sait pas que je fais des vidéos. Mmh. Il m'a dit quoi en vidéo là? Je lui ai dit ouais bah je fais des vidéos sur YouTube et tout, et si tu veux bah je viens une prochaine fois avec un collègue et tu me fais goûter ton sandwich au thon. Ça. Il m'a dit oui sans hésiter. En même temps, j'ai fait un peu de pub, mais enfin même pas parce qu'il savait même, il sait pas l'audience que j'ai, tu vois, du coup. Ouais. Mais ouais, vraiment sympa et. Ouais, je pense qu'il voulait plus nous faire découvrir en fait. Ouais. Il s'en foutait de la pub parce que lui, il a pas demandé à être filmé, etc. Ouais, ouais. Il s'en foutait de la pub, lui, il voulait juste. Parce qu'en fait, en gros, j'étais réticent sur le ton. Hein? Il voulait que j'apprécie le ton. Ouais, c'est ça. Chose que j'ai fait. Agréablement surpris en vrai. En vrai, moi, j'étais agréablement surpris. Ouais. Ouais. Parce que, en sachant que j'avais jamais mangé au Subway en plus, tu vois. Subway, ça me presque toujours un petit peu en mode. Un peu mitigé. Ouais, bah c'est vrai quand tu connais pas, c'est différent des autres fast-food qu'on connaît déjà. Mmh. Et puis ces sandwichs, et bah, tu te dis pourquoi le Subway alors qu'il y a une bonne boulangerie en face. Ouais, voilà, c'est ça, mais en fait... Après non. Ça change, hein.
Ça se ressemble pas du tout au sandwich qu'on retrouve dans les boulangeries. Ça change, ça fait une sorte de sandwich fast-food au thon. Il est vraiment super bon. Le pain, il m'a surpris en fait. Ouais, le pain est super bon. Quand tu manges un sandwich dans une boulangerie, bon, boulangerie, ils sont experts pains. Mmh. Mais là, le fait qu'ils proposent des pains différents, c'est des pains pas pareils, ouais. Il est moelleux, il est. Ouais, non, vraiment, agréablement surpris de ouf. Donc, vraiment une très belle découverte, très bonne dégustation. Merci à toi de m'avoir invité, proposé de déguster. Il n'y a pas de soucis, on a mis ensemble. Si un jour j'ai de nouvelles découvertes culinaires au niveau tout ce qui est dans la mer, je t'appellerai. Non, mais sinon, moi je peux te montrer aussi des burgers halal, etc. Des trucs. Bah, tu peux me faire goûter un burger halal parce que tu vas peut-être me trouver débile, mais je sais même pas vraiment ce que c'est de la viande halal. En fait, la viande halal, c'est de la viande standard, c'est juste que c'est dans les rites en fait de lorsque la bête meurt, on l'égorge en fait son rite religieux, tu vois. Et du coup, la viande est tendre, elle reste tendre, tu vois. Alors que quand tu fais, tu sais, quand tu fais de choc électrique pour que la bête bouge plus, que tu puisses la tuer, tu sais, bah, quand il y a la bête, elle a du stress, c'est tu regardes bien en fait dans la viande, que quand la personne stresse, la bête stresse au moment de mourir, tu sais, elle relâche des phéromones, je sais pas quoi, en fait, qui rendent la viande plus stressée, plus dure. Elle la viande. C'est ça. Ok. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. J'ai des bonnes adresses sur Paris, je t'en retrouverai. Si t'as une bonne adresse de viande halal, vas-y, moi je suis ouvert à tout et je suis là pour un gros burger. Un gros burger. Ouais. Un gros burger. Un big burger. Y'a pas de problème. Et n'empêche que je suis plein. En vrai, moi aussi. Je suis plein. Maintenant, la question qu'on se pose. J'étais en train de dire que le serveur est sympa. Est-ce qu'il va nous l'offrir? Est-ce qu'on va payer? Parce que ça, on n'a pas négocié. Hein. On a juste dit, on vient manger. Fais-nous à manger, chef. C'est exactement ça. Hey, chef, mais nous bien. On va voir ça tout de suite. Hein. On va voir ça. Si tu veux, je paye pas, mais je viens demain. C'est une bonne idée aussi. Je viens demain, quand tu veux. Oh putain, ouais. T'es commercial quand demain, même. Je suis là, mais par contre, oublie pas ce que tu veux faire. Pas complet. Salade, thon, cheddar emmental, poivron. T'as mis un petit peu de piment, tomate. Il va trouver son sandwich parfait. Hein, ça y est, il est tombé amoureux. Franchement, ouais. Bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit. C'est le. J'ai négocié le sandwich. C'est le meilleur serveur au monde, les gars. Il nous l'a offert. Parce qu'on a sorti une petite blague. Ouais. Je lui ai dit, écoute. Si tu veux, on paye pas, mais je viens de demain, on prend un autre. Mais bah écoute, on fait comme ça. Après, en vrai, il est rentable, tu vois. Parce que si tu vas une fois par semaine, gros. Je suis sûr, j'ai vraiment kiffé. Genre, si tu aimes pas ça pour rigoler, j'ai vraiment kiffé. T'as les clés? Yes. Et en plus, on a eu des cookies gratuits. Franchement, au top les gars.